Bonjour tout le monde. Et ben oui, les amis, et finalement, ben oui, vous ne rirez pas. Et ben, j'ai finalement, enfin, réussi, après presque 2 mois à travailler Mario, à me rendre en échemage avec ce personnage. Ouh, que c'était vraiment, vraiment difficile. Mais il y a un élément déclencheur qui a fait en sorte que, genre, que j'ai pu me maintenir et me rendre en échemage. Ok? Il y a un événement déclencheur qui a tout déclenché, je vais vous montrer ça. Okay, c'est, j'ai joué contre un joueur de Bayonetta, là. Seigneur, avec son bébé plus côté, là, qui me gossait pas mal. Hey, imaginez-vous donc que j'ai survécu à une saisie à 170%, c'était là. Hey, Seigneur, je suis vraiment chanceux. J'ai réussi à survivre avec ma dernière vie, puis j'ai gagné la partie. Grâce à quoi, mes smash? Regardez juste ici. Wouh! Il est en élite smash. Yéhé! Bon, maintenant, juste pour célébrer l'événement, vu que ça fait presque 2 mois que je travaille sur ce personnage de fou, là. Malgré que vous savez que je n'utilise pas grandement les attaques spéciales de Mario, parce que je n'en ai pas besoin pour gagner. Enfin, je l'ai prouvé encore aujourd'hui. Là, on va aller dans les archives. C'est des statistiques de combat en ligne. Bon, regardez Mario, 3194 KO que j'ai fait. KO en moyenne. Bon. On sait que tout c'est aux alentours de 2 KO probablement. Avec Mario, c'est. Attention, petit guidou. C'est 2,18. Bon, c'est dans ma moyenne ça. KO par attaque puissante. Ça, c'est sûr qu'il est dans les premiers rangs parce que. Parce que Seigneur, j'ai souvent joué plus que 8000 matchs avec lui. Et c'est probablement le personnage que j'ai utilisé le plus à date. 85, ok. KO par attaque smash. 1887. Oh que oui, mesdames et messieurs. Oh que oui. Attention, KO par attaque aérienne 176. Ok, là, KO par attaque spéciale, regardez, c'est pas beaucoup. Juste 81. Sur au moins plus de 10 000 matchs, ça, c'est pas beaucoup, ça. C'est juste du fait que moi, je trouve que ces attaques sont pas très puissantes. Oui, ça peut servir à quelque chose comme genre à repousser les projectiles, mais c'était très rare que ça arrivait que je me faire un KO avec ça. Mais c'est rare que j'utilisais mes attaques spéciales, entre autres. 277 KO par attaque par smash météor, c'est quand même pas mal. KO par projection, 64. Renvoyer le... Le projectile pif paf. KO par objet 130. Oui, il y a eu quand même des parties en avec item. KO par final smash 101. J'ai fait tourner 3 ou 4 fois des doubles KO. Autre KO, 172. Nombre de chutes 3252, ce qui est énorme. Oui, autodestruction 7. Oui, au début, je me suis autodétruit. Ok, je te dis, j'ai vraiment fait la guerre, mais en tout cas. J'étais juste aveuglé par le final smash parce que je venais toujours de mourir puis là puis mon épée tu sais son final smash c'est un joueur de hype. Hey, je m'excuse d'avoir m'auto-détruit comme ça. Écoute, j'ai carrément été aveuglé par ton final smash, fait que là je me voyais plus dans l'écran, puis quand que je me suis revu, grosse gaffe, oublie ça, on perd pareil même sur un partage de livre, que je me suis dit fuck off, away donc. Juste pour éviter un supplice. Donc de chute 3265. Moyenne de chute par combat. Bon, c'est dans ma moyenne 2,2. C'est bien. Nombre de combats, 1461. Hey, c'est beaucoup ça. 1461. Temps de jeu, 80 heures et 57 minutes. Eh bien, voyons donc. Seigneur, j'ai joué 80 heures avec Mario. Pour moi, en échemage, Seigneur, c'est très long. C'est pratiquement le double, c'est au moins le double d'avec Captain Falcon. Victoire en mode chemin, j'en ai eu 131 sur 461 combats. C'est un petit peu plus que la. C'est 1461.
631 combats. C'est un peu moins que de la moyenne, mais je me suis quand même rendu en Elishmash quand même. C'est surprenant pareil, hein. J'ai même pas 50% de victoire sur tous les combats que j'ai fait. Mais parmi ces combats-là, il y a des combats que j'ai joué avec des amis, dont Sam. Fait que il y a des combats qui ne devraient pas être comptés, disons 1400, mettons 1400 grosso modo. J'ai même pas atteint les 50% avec Mario. Quand même, c'est surprenant tout de même. Nombre de défaites 577. Donc 631 contre 577 défaites. La force, si on calcule tout ça, c'est genre. On calcule 1408 matchs. Sur 1408 matchs, j'ai même pas fait que 50% de victoire. Bon, le taux de victoire dans les 10 derniers matchs. Avec Mario, ça devrait être aux alentours de 70, ouais, c'est ça. C'est à peu près ce chiffre-là qu'il faut pour se rendre dans les chemins. Mais pour cela, il faut absolument que. Ça va pas trop loin. C'est une victoire de flé. C'est arrivé. Après ça, Il est arrivé peut-être pas. Deux défaites entre temps. Après ça, peut-être 4 victoires de flé. Paf, Elite Smash. Bon, les 50 derniers combats. Ok, c'était combien? Suspense. Oh, 58. C'est un petit peu mieux que les 6 autres qui sont là. 2% de plus en bonne position. Toi en bonne position. J'étais souvent en bonne position, voilà. 711. Bon, mon taux de 10 derniers combats, taux de bonne position des 10 derniers combats, c'est 70. Comme pour mes 10 derniers combats, mon taux de victoire, puis ici, 64% en taux de bonne position. Quand même, j'étais quand même bonne position, au moins à 60% du temps, au moins. Déjà pas mal, comme que je vous disais, il faut au moins que j'ai 60%, comme je vous l'avais déjà dit. Taux de bonne position, à au moins 60% dans les 50 derniers combats, je vous l'avais dit. J'en ai 64 ici. Alors, bon, déjà, il fait chier, ça y est, 421 sur 73. Dégâts subis. 450 064. Ouais, c'est beaucoup plus. Dégâts soignés, 257. Les sachets, c'est beaucoup. Dégâts max. En moins, j'ai atteint 300 à moins. Quand est-ce ça, j'ai atteint 300. Je me rappelle vraiment plus. Ah oui, je m'en souviens où j'ai pu pogner ce 300 là. C'était sur l'arène de Super Mario Bros 3. Ben oui. 66 morts subites. Combien j'en ai gagné? Forcément pas beaucoup. Regardez ça. 28. Aïe aïe. Bon, disons que c'est à peu près 42%, je dirais. Je dirais au moins 42 là. Moi c'est 5 pour être à 50%. Smash Finaux 263, taux d'utilisation, j'avais dit une trentaine de pourcents, je pense, mais en tout cas, mon transformation était quand même juste. Mais j'avais dit que mon taux avait été plus élevé par rapport à Captain Falcon, c'est au moins le double 29,77. Sens parcours 420 273 en mètres. Sens de saut 285 606. Sens de chute. Ok, dégâts d'éjection, des sens d'éjection subis. Ok. Distance à la danse 248. Et comme que vous voyez, aucune noyade. Objet obtenu, Seigneur, 1042. J'en ai bien eu gros, Seigneur, pour 1608 matchs. Ben, écoute donc. Et voilà, c'est fait. Avec Mario, ben, j'ai réussi à me rendre en Elite Smash. Donc, je voulais vraiment que vous montrer ces statistiques de combat. Vu que ça fait presque 2 mois que je travaille ce personnage-là pour m'y rendre, ça a pris vraiment du temps. J'ai finalement réussi à y arriver, puis j'ai réussi en gagnant même pas 50% de mes combos.